Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 1 de Sonic Adventure 2 Battle. Voilà, vous voyez au milieu, je vais pas vous dire ce que c'est. Là, c'est les 3 modes d'histoire. Hein. Oui, en tout, il y a 3 modes d'histoire puisque au début, on a que les deux. Il n'y a que l'équipe héros et aussi l'équipe de Shadow. Donc, on va prendre l'équipe de Shadow, l'équipe Dark. Pour plus de fun. Et je vous laisse la cinématique. Intruder alert. Intruder alert. Security breach at gate 3. Intruder is located in the north quadrant and is moving in the direction of the underground base. All units prepare to engage. Emergency battle formation. Standard battle procedures initiated. Locate and stop the intruder from entering the secure area. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Let's take a look at what my grandfather was working on. A top secret military weapon. Could the military shut down the research because they feared him? Iron Gate. Oui, bah là on va faire la particularité de ce Sonic, c'est que on ne contrôle pas que Shadow ou Sonic. Enfin, on ne contrôle pas que des personnages rapides, quoi. Mais on fait aussi des niveaux spéciaux comme cela, où on mitraille des robots. Et oui, on peut contrôler Dr. Eggman. C'est la première fois qu'on peut le contrôler. Et ça fait vachement plaisir de voir notre bon vieux méchant. Et là, on vous avait déjà fait un vidéo test, mais je vous mettrai dans la description si vous ne l'avez pas vu. Un vidéo test de Sonic Adventure 2 Battle, sauf que bah, la qualité n'a rien à voir, bien sûr, parce que c'était au tout début de notre chaîne Oliver Flav. Et au tout début, bah, on filmait avec une caméra. Ouais, c'était pas incroyable. Donc là, je dois me défaire de tous les ennemis, hein. Pour la plupart du temps ouvrir les portes. Ah, celui-là, là, celui qui était blanc, là, l'ennemi blanc, c'était un espèce de bonus, hein, il nous rapporte plus de points. Mais parce qu'il y a beaucoup de scoring, hein, dans ce Sonic, même si moi je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les meilleures notes, car oui, on est noté. On est noté dans ce Sonic, contrairement au Sonic d'avant, enfin Sonic Adventure DX. Lui, on n'était pas noté. Donc c'est une nouveauté, encore une fois. Bah, et aussi, pendant le vidéo test, je me souviens, je me suis complètement mêlé les pinceaux.
en disant souvent je parlais de la console Dreamcast. Mais en fait, à un moment, je parlais des tout premiers Sonic, je pense, et je disais aussi Dreamcast. Donc, en vrai, c'était la Mega Drive, hein, ou la Genesis, si vous préférez. J'ai d'ailleurs mis dans la description, sans doute, hein, que j'ai fait une petite erreur. Mais bon, c'est un truc, franchement, je m'en souviens encore. Ah, je vais toucher. Ah, et aussi, on a une barre de vie juste en dessous. Mais bon, vu que là, j'ai pris ma partie, là, où je suis rendu assez loin. Enfin, j'ai pas pris une partie où j'ai tout fini, mais une partie où je suis rendu assez loin. Bah, j'ai fini les deux modes d'histoire, déjà. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça fait pas trop de spoil. Et puis, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai une barre de vie un peu plus grande, quoi. Normalement, elle est pas bleue comme ça, normalement, elle est plus bleu ciel, notre barre de vie. Au tout début. Parce que j'ai un peu upgradé bah, la barre de vie de Dr. Eggman en trouvant un objet. Comme d'habitude, hein. Par contre, là, faut faire quoi? Ah oui, d'accord. Fallait attendre que le script s'enclenche. Et revenir ici. Et défoncer ça pour que le missile fonce. Voilà, pour défoncer toutes les portes. Des énigmes très difficiles, n'est-il pas? Ah, et on est à la fin et je pense que je vais avoir une note pourrie. J'ai pas très bien joué. Bon, on va voir. Ah, ça va. B, c'est tranquille. C'est une note correcte. Car la meilleure note, c'est A. Ah tiens, un emblème. 164. C'est bizarre, par contre, que ça me met un emblème de plus. Ah oui, c'est sans doute la sauvegarde que j'ai prise, mais la sauvegarde avec les cheat codes. Bon. J'avais voulu voir ce que ça fait, en fait, quand on a plein d'emblèmes. Ah, et puis là, ça me fait comme si j'ai débloqué plein de trucs, alors que je les ai déjà débloqués, c'est un peu con. Bon, c'est parce que j'ai une action replay, je vous montrerai aussi quelques trucs, hein, quelques bugs qu'on peut faire avec. C'est marrant. Bon, bah, je vous laisse la cinématique. So this is the military's top secret weapon. It's a lot smaller than I expected. Enter user data. Enter password. Password is Maria. Maria. Now all I have to do is to place the Chaos Emerald into this console. Spoil my plans again. Wait a minute. You're not Sonic. This is impossible. My name is Shadow. Since you were so kind to release me, my master, I will grant you one wish. Now what? Behold the true power I possess. Et voilà, l'apparition de Shadow, la première apparition de Shadow. Le beau gosse. Le Hedgehog le plus classe avec Sonic. Voilà. Donc là, on va se friter un boss hein, dès le départ, oui. Quand on contrôle... Merde. Quand on contrôle Shadow dès le départ, bah, on se frite à un boss. Oh purée. D'accord, gros fail. Bon, on arrête les fails et on joue bien. Parce que là,
Ça serait bien de mieux jouer que ça. À chaque fois, je fais des fails de merde. C'est peut-être parce que il y a fail dans Zelda Skyward Sword et ça me déstabilise. Vous comprendrez peut-être ceux qui ont joué à Skyward Sword. Merde. Voilà, faut le toucher comme ça à chaque fois. Hein, c'est un robot contrôlé par un humain. Venant de la technologie du docteur Eggman. Mais bon, c'est pas non plus une histoire incroyable. Aïe. Je me suis fait toucher encore une fois. C'est vraiment chiant ce boss. Alors, on prend un petit anneau pour pas crever. Et c'est reparti. Ah, et on peut pas l'avoir comme ça. Quelle esquive de psychopathe! Je l'ai pas eu. Ah et voilà, on peut aussi faire le homing attack, je pense que ça s'appelle, oui. Pour faire l'attaque à tête chercheuse. On saute et puis on ressaute, ça fait ça. L'attaque à tête chercheuse. Le homing attack. Pour bien sûr que ça soit beaucoup plus simple et que ça cherche les ennemis, tout simplement, l'attaque à tête chercheuse. Voilà, je pense qu'il va encore se poser, oui. Parfait. Merde. Ça c'est pas parfait par contre. Oui. C'est vraiment chiant cet ennemi de merde. Je pense pas que je vais avoir une note incroyable. Enfin non, il n'y a pas de note je crois dans contre les boss. Peut-être que si. Non, il n'y a pas de note. Je me souviens. Destroying that guard robot was spectacular. So Shadow, you are the military's top secret weapon. But what did you mean when you said you will grant me a wish? Bring more Chaos Emeralds. Shadow, wait! I'll be waiting for you in the central control room on the Space Colony Ark. Ark! Special powers that neutralize the energy of the Chaos Emeralds. That makes it very powerful. What the? What? Look who's calling who at me. I came here following the signal from the Emerald. If I'm not mistaken, this is the Master Emerald, isn't it? Dr. Eggman. So that's Dr. Eggman. Well, I guess I owe you something. I'll just take it with me. Farewell, Knucklehead. Not if I can help it. I did that to prevent the Master Emerald from being stolen, you idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. Doesn't matter. I'll look into it once I get back to the base. I despise anyone who takes jewels from me. Our world's gems are mine to keep. Yeah, we'll see about that, Batgirl. Et voilà, on est parti pour cette fois-ci faire une mission avec Rouge, un nouveau personnage aussi de cet épisode. Voilà, sa première apparition, je pense qu'il est dans cet épisode. Oui. Peut-être que je me trompe. On peut grimper, on peut faire. Bah, en fait, elle a les mêmes aptitudes que Knuckles. Elle peut grimper, elle peut creuser. Enfin, normalement, je l'ai pas tout de suite cette aptitude, mais bon, vu que j'ai terminé le jeu, voilà. Ou si je peux faire des combos, la classe. Voilà, pour se défaire de quelques ennemis. Ouais, et celui-là, il est immortel.
Et tout simplement, il faut chercher les morceaux de la Chaos Emerald que Knuckles a malencontreusement pété. Ah, là, je viens de récupérer la chaussure pour courir encore plus vite. Mais je m'en fous dans un niveau comme ça. Mais bon, je vois pas trop l'utilité. Là, j'utilise la tortue pour arriver sur une autre section du niveau. Le magnifique Lancelar au travers. Oui, c'est bizarre. Au travers de la tour. Voilà, comme vous pouvez le voir, plus c'est, plus la couleur est chaude, plus on se rapproche de l'émeraude. En gros, quand c'est rouge, et ben on est vraiment proche. Et je pense que là, on est vraiment proche. Il faut peut-être que je descende dans la flotte. Car oui, rouge peut nager, contrairement à Sonic. Quand, et là, il y a du courant, on peut pas y aller. En fait, c'est la tortue qui est passée par là. Ah, et puis je vous laisse apprécier le thème quand on est sous la flotte pendant un moment. Ah là, ça rappelle des souvenirs pour certains. Par contre, je ne sais pas. Ouais, c'est Chaos Emerald, enfin ce morceau de la Chaos Emerald. Peut-être qu'il est là-haut. Si ça se trouve, c'est ça. Et non. Eh bien, j'en sais rien. Aussi, je peux tourner la caméra en faisant L et R. Donc, pour moi, ce Sonic-là, c'est l'un des Sonic les plus jouissifs, hein, parce que. On arrive très bien à se déplacer en 3D, contrairement au Sonic actuel. Bon, ça, je vous montrerai dans Sonic Unleashed ou Sonic Génération. Supporté. Ben, je trouve pas l'émeraude. Un morceau de l'émeraude. Est introuvable. Bon bah on va avoir une autre hein, et puis celle-là on va revenir après. Bon, y a la caméra des fois qui coince un peu là. Ah bah là y a rien du tout avec des trucs Maya et je sais pas quoi. Bon oui c'est quand même un niveau assez sympathique hein. Plutôt bien réalisé hein, pour l'époque. On doit être en 2000 là, donc c'est quand même pas mal. Même si là on est sur GameCube, donc les graphismes sont améliorés, car sur GameCube il est sorti en 2002, 2 ans après. Ah bah, ils ont pas corrigé par contre le Lancelar bugué. Le Lancelar bugué. Peut-être qu'il n'y avait pas de Lancelar buggé sur Dreamcast, qu'il n'y en avait carrément pas. Je sais pas. Bon bah là il est introuvable. Bah, on va voir de l'autre côté. Parce que bon ici c'est introuvable. Peut-être en dessous. Ah mais c'est, il doit être dans la cage là. Mais comment accéder à la cage? Pas en dessous. J'en sais rien. Je sais pas comment on y accède ici. Je me souviens presque plus de ces niveaux à 2 balles. Parce que le plus intéressant à faire dans un Sonic, c'est pas plutôt les niveaux de course. Parce que ces niveaux-là, on s'emmerde un peu. Mais c'est le point faible du jeu. Bon, ils ont voulu faire quelque chose d'original. Quand je. Je pense qu'il faut aller dans la flotte avant. Et ben non. Donc là, il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de Chaos Emerald. Enfin, de. Ah.
les morceaux de l'émeraude mère. Je n'en sais rien. Ah, aussi on peut prendre des animaux, bon ça c'est pour s'occuper des chaos. C'est des espèces de petits Pokémon. Petits Pokémon à la Sega. Voilà, ça ressemble à ça. Mais ça résout toujours pas mon problème. Rouge à la recherche du petit bout de verre perdu. Ouais, peut-être sur ces trucs là, j'en sais rien, mais non, c'est vraiment en dessous. Le problème c'est comment y aller. Ah, il y a une tortue. Ok. Bon bah c'est bien, il y a une tortue bien sympathique, mais bon, je pense qu'elle est juste là pour le décor. Mais j'ai pas du tout vu l'autre Chaos Emerald, enfin l'autre morceau. Par contre j'en sais vraiment rien comment rentrer là-dedans. Parce que bon. C'est un peu galère. Je suis en mode galère depuis tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut activer un truc, hein, j'en sais rien. On va voir ça. Parce que des fois il y a des trucs à activer. Voilà, c'est une mode galère. Je ne trouve pas le chaos. Enfin le morceau. Les niveaux Dark sont un peu plus durs que les niveaux Hero. C'est la petite excuse. Vous allez voir, je vais mieux me débrouiller dans les niveaux Hero ou aussi les niveaux avec Shadow. C'est un peu chiant. Bon, peut-être là-haut, peut-être qu'il y a un interrupteur. J'en sais rien, mais non. Il y a juste une vie. Ça m'aide pas trop. Purée, je peux pas aller dessus. Ah bah tiens, il y en a. Elle est là la dernière. Ah, je l'ai trouvé sans le pouvoir de. Ah, le pouvoir de la flairance. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Pour flairer les morceaux. Ah, on peut siffler, je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Des fois ça fait d'un coup popper des animaux. Donc bon. Par contre j'en sais vraiment rien comment rentrer là-dedans. C'est impossible. Je ne vois pas la possibilité. Comment est-ce possible? Nous allons faire une note de merde. Mais bon, on s'en fout. Pointe, oui, c'est introuvable. Hein. Ça, c'est jamais arrivé qu'il soit caché là, ce con. Parce que à chaque fois, c'est aléatoire, hein, ça change de cachet. Je vois qu'on recommence au niveau. Moi, j'ai vraiment envie de recommencer. Hein. Voilà. Mais on va voir la différence. Donc, on peut creuser là-dedans, souvent ça nous rapporte quelque chose. Ah oui, carrément ça me met dans un passage secret. Et avec la mystique mélodie dans la fenêtre, puis appuyer sur le bouton B pour écouter des mélodies mystérieuses. Ah oui, ça, bah, je l'ai eu pour Sonic, mais j'avais jamais eu pour Rouge. Donc comme ça, c'est une découverte. Donc sinon pour en revenir à la cachette, il y a une cible. Je peux pas.
Ah, y a des endroits comme ça où c'est... où elle peut pas creuser parce que c'est trop dur. Bien sûr. Donc, bah non. Enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait une émeraude par là, enfin... Bon. Alors, on va chercher... la tortue. On va la sauver. En détruisant les deux ennemis. La tortue qui va à deux à l'heure. En tout cas, elle va quand même assez vite pour une tortue. Enfin, en même temps, on est dans l'univers de Sonic. Oh non. Non. Sois pas au même endroit. Sois pas au même endroit. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ah bah ça va, il est juste là. Donc le prochain. Peut-être là-bas. Non, il y a rien. Ou en tout cas pour le prochain, il y a pas. On va voir de l'autre côté. Car il y en avait un de l'autre côté, on avait vu avant. Et ben là, il y en a plus. Vous voyez, ça a complètement changé. Ça a chamboulé le truc. Mais bon, heureusement, parce qu'avant, il était introuvable, celui d'avant. Vous mettrez dans les commentaires comment le trouver. Ouais. Bah là aussi, ça va être du introuvable là aussi. Non, c'est bon. Je sens un morceau de l'émeraude mer quelque part. Mais je sais pas pourquoi. Voilà, alors... ah bah, il y en a un juste pas loin. Donc, on va aller par là-bas. Non, il y a rien. C'est bizarre, alors, que ça fasse vert. Peut-être qu'en descendant... Là non plus, il n'y a rien du tout. Mon dieu. Je vais être encore bloqué. Bon, on court partout, on va voir s'il y a quelque chose. On va sur les statues égyptiennes cubiques. Voilà. C'est pas Cupidon, mais c'est... c'est Cubidon. Non, j'ai loupé ma blague. Cubidon, voilà. Il en cube. Ah bah voilà. La petite émeraude, vous voyez que là c'était quand même beaucoup plus simple. Donc on va voir une note correcte. Je pense un petit B ou peut-être un C. Un B. Ah bah c'est bien. À part le fail de Shadow au début et 7 minutes à se faire chier, c'est bon. Alors le stage 3, retourner à la base secrète. Et là on va diriger Dr. Eggman. Puisque... Ouais bon, petite cinématique, mais... C'est toujours fait... Les cinématiques sont toujours faites avec le moteur du jeu. Bon avec... ah oui, je vous ai pas montré un peu les mouvements, bah on peut sauter avec... Bon c'est des sauts super rigides, hein, en même temps on est dans un espèce de robot. On peut aussi bah, planer en restant appuyé sur le bouton A dans les airs. Quand on tire pas direct en appuyant sur B, sinon ça fait ça. Non, d'abord on lock les ennemis puis après on tire avec B. Enfin, on reste appuyé sur le bouton pendant qu'on lock les ennemis. Bon voilà, et puis c'est tout. Sinon quand on est proche d'un ennemi et qu'on fait B, bah, il donne un gros coup de poing. Enfin, sa machine donne un coup de poing. Vous allez voir, je vais vous montrer. Si j'arrive déjà à passer par ici. Voilà, il y a toujours des ennemis volants, donc je peux pas trop vous montrer. Je me fais toucher de partout. Donc voilà, c'est pas trop compliqué. Et je vais tomber, je parie. C'est pas trop compliqué, je vais tomber. Mon dieu. C'est vraiment la classe hein, de jouer comme ça. Non mais je me concentre et de toute façon on perd pas trop de temps parce que...
quand on perd, bah, ils nous remettent direct au dernier checkpoint, et comme le dernier checkpoint, bah, il était tout près, voilà. Et même si j'ai 0 anneau, je meurs pas du premier coup, hein, bien sûr, puisque c'est une barre de vie. Et à chaque fois qu'on récupère des anneaux, notre barre de vie augmente, hein, si on a perdu de la vie. Voilà, on régénère notre barre de vie. Donc là, je pense que je suis allé dans le mauvais endroit. La caméra est buggée. Ah voilà, l'attaque ultime. Ah, il veut plus la faire. Bon, j'avais fait voilà l'attaque au point, il venait de la faire avant. Je sais pas si vous avez bien vu. On va se faire ça. Ça c'est pour juste gagner des points, donc là, on s'en fout un peu. Ah, le scoring, c'est ils sont vraiment à fond dedans là, ces gars. Ah, je viens de me faire toucher, ma barre de vie devient en bleu ciel. Par contre, je ne sais pas où aller. Encore une fois. Donc, voilà. On s'y retrouve quand même assez facilement, hein, même si il y a des fois on comprend pas trop où faut aller. Bon, faut souvent aller tout droit, hein. On suit son instinct. Voilà, tout simplement. Bon, là je me débrouille plutôt bien. Et plutôt. Voilà, je jouais beaucoup mieux pendant le vidéo test. Hein. C'est quand même. Ça se ressentait. Puis je pense qu'on avait fait deux vidéos, hein, sur ce jeu-là. Mais bon. Avec une qualité merdique, encore une fois. Je m'en excuse. Alors là, on monte sur ces machins. Ces machins qui risquent de nous écraser. Sinon, il y en avait déjà dans l'ancien Sonic, je pense. Sonic Adventure DX. Bon, je m'en fous de celui-là. Et voilà, on a une note. On va avoir une note plutôt bien, je pense. Bon, j'espère qu'il y aura enfin un niveau de Shadow, là. Parce que franchement, je commence à m'ennuyer. Allez, d'accord. La meilleure note. Non, mais voilà, vous avez vu la pire note du jeu. With the Chaos Emerald in the space colony Ark. I've got to find out just what's going on. Ah ben, ces gars, ils ont vraiment essayé de faire une histoire vraiment poussée, hein, dans ce Sonic Adventure 2 Battle, un peu comme dans le premier DX. Mais bon, ça marche pas totalement. Bon, ça fait plus mangatisé, quoi. Surtout qu'ils ont fait un manga là-dessus, en plus. Un manga à la télé. Passé sur la 1, je crois, je sais plus. La 1 ou la 3. Au choix. Bah même d'ailleurs, j'ai les DVD, hein. Ça s'appelait Sonic X, simplement, je pense. Donc c'était fait juste après bah, ces deux épisodes, hein, Sonic Adventure DX et 2 Battle. Bon, c'était plutôt une... C'était plutôt sympathique comme manga. Bon, même si c'est pas non plus du One Piece. Mais bon, c'est toujours bien de voir nos héros, de revoir notre grand hérisson Sonic, le plus rapide du monde, sur lecteur DVD. Ou à la télé. Hein. D'ailleurs, c'est totalement la même histoire, hein, que la version que les DVD. Sauf qu'il y a un personnage en plus. Ouais, Christopher Sandlight, je crois il s'appelle. Bon, personnage pas trop utile. C'est un personnage qui est que dans la version manga. C'est que dans Sonic X, c'est pas dans le jeu. Il n'y a pas ce personnage là. Bon, ça change un peu le scénario, mais bon, à peine.
Donc ça revient presque au même, il y a Shadow et tout. Avec sa copine Maria, l'histoire incroyable. Et le talent incroyable bien sûr aussi. Purée, caméra de merde, c'est à cause de la caméra. J'aime pas la caméra. Allez d'accord. D'accord. Ça c'est pas possible. Ça n'arrive jamais ces conneries. C'est pas vrai, pendant le vidéo test ça allait, c'était tranquille. Et là il y a un... Ça m'arrive jamais et ça m'arrive juste après là. C'est un peu con. On se concentre parce que là il ne reste plus que 4 vies alors qu'avant je crois que j'en avais 8. C'est n'importe quoi. Bon, aussi on n'a pas non plus des vies à l'infini dans ce Sonic. Mais pas énormément. Faut les trouver, mais bon, on a surtout des vies en ramassant 100 anneaux. Là, faut que je me concentre. Faut pas que je fasse le gros n'importe nawak. Purée, mais pourquoi il prend pas cette connerie? Voilà, on fait B pour faire un petit, une petite pirouette. Pour passer en dessous de ça. Sinon, vous voyez, graphiquement, ça pète hein, pour un jeu de 2002. C'est rapide, c'est vif. C'est super fluide. Là, ça doit vraiment tourner dans les 30 FPS constants, hein, ou même plus, peut-être. Parce que c'est vraiment très fluide. Jamais de baisse de framerate. On se le fait en 2-2. Bon, ben voilà, là je me débrouille plutôt bien. J'ai une vie en plus. D'accord, je suis complètement désorienté. Bon, là par contre, les loopings, c'est pas moi qui les fais en vrai. Hein, c'est... On est complètement assisté pour ça. D'accord, j'ai pas eu le truc, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je me souviens qu'on peut voler par là. On est poussé par, je sais pas, du vent en dessous. Je vois rien du tout, pourtant. Y a pas d'effet de vent. Donc j'en sais rien. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai failli tomber. Parce que normalement, y avait un avion qui arrivait, même on le voyait arriver, mais bon, il est tellement lent que j'ai préféré y aller avant. Il me servait de plateforme. Voilà, c'est le sprint. Très très rapide. Bah en fait, ce que j'ai remarqué, c'est quand même les vieux Sonic, bah, comme celui-là. L'un des premiers Sonic 3D. Ils sont quand même moins rapides que ceux de maintenant. Et c'est peut-être pour ça que la maniabilité de ceux de maintenant est pourrie. Parce que c'est tellement rapide que Sonic n'a pas le temps de tourner à droite ou à gauche. Les développeurs n'ont peut-être pas pensé à ça. Ils ont compté que pour la vitesse, alors que là c'est vitesse et aussi plateforme. Un peu quand même. Ouais, j'ai réussi le niveau. 3 minutes 9, c'est assez pourri, mais on va dire que ça va. Ça a donné un B. Ah là là, incroyable. D'habitude j'ai A comme note dans celui-là. Mais bon, c'est pas grave. What? La rencontre de Sonic avec Shadow. Mon Dieu! Ça c'est fait exactement comme dans le dessin animé, hein, je pense. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Et voilà, grâce à l'émeraude du chaos, Shadow peut contrôler pas le temps, mais il peut se téléporter quoi. Ultimate life form. There is no time for game. Farewell.
Pour la petite histoire, Shadow, c'est la création du père de Dr. Eggman, je pense, ou de son grand-père, attends. De son père ou de son grand-père ? Non, de son père, je pense. This is Rouge. I have located Eggman's base and will proceed to enter it now. Encore un niveau avec Rouge, mon dieu, non ! Et là, sauf que là, on va pas rechercher les morceaux de la Chaos Emerald. Enfin, de l'émeraude mer plutôt. Pour être plus fidèle. Là, on va chercher les clés. Trois clés. Il n'y a pas ça dans l'animé, hein. C'est dans le jeu là, il y a toujours plus de trucs de toute façon dans les jeux. Vous remarquez par exemple King Kong en jeu vidéo, et ben il y a plus de trucs, plus d'événements qui se produisent que ce qui se passe dans un film. Dans le film. On se fait défoncer. C'est où ? Allez, ceux-là, c'est les robots d'Eggman dans Sonic Adventure DX. Hein. Donc là, je pense qu'ils ont fait un petit clin d'œil hein, à Omega. Gamma. Gamma Bunta. Ah, vous vous souvenez ? Ah, la petite clé. Aussi, il va y avoir. Ah, aussi, un ennemi. Très connu, oui, complètement buggé, mais c'est pas grave, d'accord, il m'a touché. Un ennemi très connu des Sonic, le singe robotique. Encore une création magnifique du Dr. Eggman, mais qui se fait défoncer par Sonic. Sachant que moi, je n'ai pas fait les Sonic the Hedgehog, hein, les tout premiers. C'est peut-être pour ça que j'ai pas été déçu par rapport à ces Sonic là. Non, moi mon premier Sonic c'est Sonic Advance 1. J'ai vraiment bien aimé. Mince. Bon, c'est un peu du même style que l'Opus Mega Drive, hein, j'ai vu. Sauf que bon, les graphismes sont un peu mieux faits quoi. Tout simplement. Un jeu vers 2002 par là, à peu près la même date que celui-là. C'était quand j'avais pas encore la GameCube. Puis après en 2003, après oui, j'ai eu la GameCube et j'ai eu le jeu là. Qui est très bien pour ma part, même s'il y en a quelques-uns qui vont peut-être dire le contraire. Bon, peut-être parce qu'ils ont connu Sonic the Hedgehog et qu'ils sont à fond dans la nostalgie. Remarquez que je suis en train de galérer pendant je sais pas combien de temps. Je sais combien de temps on est à ce niveau-là. J'en sais rien. Je deviens Barjo, mon dieu. Bon, j'arrête de dire mon dieu. Le seul truc qui est sympathique dans ce niveau, c'est la musique. Elle est marrante. Bon, on va ouvrir ça. Hein. Voilà, les petits interrupteurs en étoiles. Ils sont tout beaux, ils sont tout ronds. Et ils servent à rien. C'est cool. Bon, des fois, on active des trucs. Ah oui, voilà, j'ai désactivé ça. Comme ça, il peut pas m'attaquer. C'est bien. Il peut pas m'écraser, plutôt. Après, je suis en mode galère à... Et bah heureusement qu'il peut pas m'écraser puisque tout le temps que j'ai mis là. Non mais je trouve pas la clé. Mon dieu, la clé. Oh, encore lui. Ah, bah heureusement qu'il m'a pas vu. Il est un peu con sur les bords. Donc je ne sais point. Est-ce qu'il y a une carte? Est-ce qu'on peut trouver des cartes des fois? Dans ce niveau là je me souviens. On va s'enfoncer dans la fleur pour le fun et... D'accord, j'ai carrément eu une vie. Oui, en faisant le con, j'ai eu une vie. C'est normal. Ah bah là j'ai rien. Voilà, faut souvent aller au milieu
Après, je commence à me saouler celui-là. Il faut souvent aller au milieu de petits logos comme ça, par exemple. Et souvent, on a quelque chose. Enfin, c'est ce que je me disais. On va péter ça. Enfin, j'en sais vraiment rien. Là, normalement, pour Knuckles, c'est un niveau quand même rendu plus loin. Parce que Knuckles, il a presque les mêmes niveaux que Rouge. Hein. Ouais, le plus gros du jeu, c'est plutôt les niveaux de Sonic et de Shadow. Hein, qu'on vous a montré en jouant à deux avec Firefly. Dans le vidéo test, que je vous recommande à regarder parce qu'il est pas mal. Malgré la résolution qui va peut-être vous faire mal aux yeux. Il y a un truc là, mais je sais pas ce que c'est. Ah voilà, fallait creuser. Il faut faire gaffe aux fantômes parce que bah ils nous font peur quoi. Et c'est chiant, après elle s'arrête et elle s'arrête net. Et des fois on perd des anneaux comme ça. Enfin des fois. Non, la plupart du temps je pense pas qu'on puisse perdre des anneaux comme ça. Super, je lui fais défoncer. Sinon c'est inesquivable ça. Quand il nous repère, c'est foutu, on est obligé de se faire toucher. Donc si on n'a pas d'anneau là, vite un anneau avant qu'il nous tire dessus. Mon dieu. Ah, la clé. Elle est en train de s'enfuir. Ah, la fourbe. Elle est où? Ah voilà. La satanas. 6 minutes 16, oui, c'est pas mal. C'est pas mal pour avoir un E. Mais pour avoir un C, c'est une autre histoire. Ah, ah bah j'ai B. Incroyable. Ah, c'est quand même pas très difficile d'avoir une note plutôt correcte. Bon, je parlerai des fois pendant les cinématiques parce que je ferai pas comme Beyond Good and Evil parce que bon. Beyond Good and Evil, il y avait vraiment une ambiance là. Alors que là, Sonic, c'est plus classique, on va dire. On voit une pom-pom girl qui est en train de danser quoi. En chauve-souris. Bon, à chaque fois, ça sauvegarde automatiquement. Vous avez vu un hein, now saving, maintenant sauvegarde. Alors voici la colonie de l'espace, mon dieu. Le contrôle du chaos. Non, je sais pas, il a dit contrôle, mais bon. Après, j'ai pas lu la suite. Vous avez sans doute lu, vous. Bon, au début, je me suis dit de vous laisser les cinématiques, mais... Je sais pas, des fois, c'est... Je vais vous les laisser, mais en même temps, je vais parler, je pense. Parce que bon, il y en a vraiment trop, je trouve. J'ai déjà fait cet effort dans Beyond Good and Evil, hein, mais voilà. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Ah, voilà, petit interrupteur, hein, des fois, des interrupteurs cachés comme ça. Oh, le sprint! Vous avez vu comment on va vite avec Dr. Eggman, hein, c'est son sprint maxi là. Par contre, ouais, on monte avec 7 plateformes. C'est magnifique, ça nous fait vraiment penser à Mario, version robotique. Là c'est du Sonic quoi. Ah et ben là, je pense que là, il y a une petite énigme, enfin une petite énigme, faut s'y retrouver quoi. Ouais, fallait que je trouve voilà le truc là. Ça en fait, c'était pour que j'aie ça, les missiles. Parce qu'avant je balançais pas de missiles, il y avait juste le rayon rouge. Ou si je balançais des missiles mais ils étaient moins puissants. Donc moins balèze, vous avez une skin moins impressionnante. Donc je vais monter, je suis en mode galère. Voilà, on va faire exploser ceci. C'est magnifique. La porte s'ouvre. Bon là la musique est assez moyenne, enfin même si j'ai mis le son presque à zéro, mais je m'en souviens. Non, les meilleures musiques et les meilleurs thèmes, c'est quand on joue avec Shadow ou Sonic. Mais surtout, le meilleur thème de cet épisode,
c'est Escape from the City. Énormissime. De toute façon, je vous montrerai, puisqu'on fera l'équipe Hero après. Vu que le jeu est quand même assez court, il vaut mieux faire quand même tout jeu, entièrement. Alors que Sonic Adventure DX, je vais pas trop me permettre de faire tout. Il est un peu plus long que celui-là. Même si après celui-là, en fait, ce qu'il y a à faire, c'est surtout de refaire le niveau et d'avoir les meilleures notes, hein, bien sûr. Ça augmente beaucoup la durée de vie, ça. Et ça sert, puisqu'on gagne des emblèmes. Enfin, pas avec les notes, mais en débloquant, parce qu'on peut débloquer. En tout, il y a 5 niveaux dans un acte. Enfin, 5 missions. La première mission, c'est toujours finir le niveau, tout simplement. Puis la deuxième, c'est, je crois, le finir en ayant 100 anneaux. Non, même avoir juste 100 anneaux dans le niveau et pouf, on a tout de suite gagné. Au moment où on a 100 anneaux. Après, c'est trouver un KO. Trouver l'Homo KO. C'est le robot. Le Pokémon que je vous ai montré avant. Ça me fait vraiment penser à un Pokémon, ce truc. Une invention pas terrible, je trouve. Vous aurez peut-être pas dû faire ça dans Sonic. Encore dans Mario, on pourrait comprendre, mais dans Sonic, je sais pas, ça fait bizarre. Dans Sonic, on voit plutôt des armes, il y a des mitrailleuses et tout. Ça va super vite, ça court dans tous les sens. Et là, tu vois un petit Homo KO qui arrive. Bonjour ! Ça casse un peu le rythme. Alors que dans un Mario, c'est petite plateforme, allez, on va à la tranquillette, hein. On est tranquille, on est à la campagne. On va sauver la princesse Peach comme d'habitude. Je me suis fait toucher. D'accord. Donc là, je crois qu'il faut. Purée. Par contre, le grand problème de la caméra, c'est que voilà, elle se remet automatiquement comme ça. Par exemple, je veux la mettre comme ça, et ben non, elle se remet automatiquement comme ça, donc c'est pas pratique. Des fois, on est un peu obligé d'aller à l'aveuglette. Parce que là. La caméra n'est pas programmée pour ça, elle se met automatiquement devant à chaque fois. C'est un peu chiant. Mais c'est comme ça. Moi, je pense qu'on va bientôt se quitter. Hein. On est peut-être à la moitié déjà du mode histoire de Shadow et de ses amis. Docteur Eggman. J'ai eu la note C, hein, la meilleure note, hein, d'ailleurs. Franchement. I've been waiting for you, Doctor. Now, I will show the glorious achievement. Je pense que les meilleures notes S, là, sont apparues dans Sonic Unleashed. Il n'y avait pas ça avant. Ou peut-être Sonic and the Secret Ring. Non, ils ne mettent pas de notes dans Sonic and the Secret Ring. Sinon, je vous ferai peut-être juste un vidéo test de Sonic and the Secret Ring. Ouais, juste. Moi, je fais surtout les Sonic qui m'ont plus plu. Comme ce Sonic Adventure 2 Battle, je le fais en entier. Ou je sais pas si vous voulez quand même que je fasse entièrement Sonic and the Secret Ring, par exemple. Bon, je pourrais le faire. Pas non plus un Sonic que j'ai détesté. Oh, so that's why we needed the Chaos Emerald. Exactly. To reactivate the machine, we need the seven. C'est incroyable. Je ne savais pas. Quelle histoire de psychopathe. Ouais, c'est un plan incroyable, hein, quand même. Savoir qu'il faut trouver les Chaos Emeralds. En fait, c'est le truc habituel de Dr. Eggman. De ce qu'il fait. Bah, en fait, ce qui est un peu con, c'est que Dr. Eggman a utilisé une machine. En gros, dans leur monde, parce que là, ils sont pas dans leur monde. Mais oui. Parce qu'on voit ça surtout dans Sonic X.
pour comprendre pourquoi il y a des humains dans Sonic. Bon, c'est une méthode hein, de Sega pour dire ouais, il y a des humains parce que voilà. Donc c'est parce que c'est à cause de Dr. Eggman qui a construit une machine là. Et à un moment, Sonic, il a attaqué la machine et pouf, la machine a explosé et ça les a mis dans ce monde. Le monde qui s'appelle la Terre. Enfin, en vrai, Dr. Eggman, il vit dans ce monde avant. Donc je sais pas comment il s'est retrouvé dans le monde de Sonic, mais c'est pas grave. C'est un petit tiré par les cheveux. Ah la magnifique, oh magnifique. On est à la plage. Ah, là c'est du sérieux là. Infiltration et tout. Well, believe what you wanna believe. Very well, very well. Let's discuss how we are going to do this. I will go in first and distract the military troops, allowing you to sneak in the base without being detected. Then, Shadow will enter the armory, where he will set the timer on these dynamite packs. Once that is in place, we will blow up the whole island and get away before anyone has a chance to know what hit them. Meanwhile, you'll have to sneak into the cargo area and grab the Chaos Emerald. That's a challenge for such a worthy treasure hunter as yourself, isn't it, that girl? We only have 30 minutes to pull this mission off, and we only get one try, so don't fail me. Vous avez remarqué, en fait, j'ai mis la version américaine, hein, enfin, ou anglais, je sais pas comment on dit, mais voilà. J'ai mis le jeu en anglais, parce que je trouve que ça va mieux dans Sonic, hein, dans le pur style de Sonic. J'étais plus habitué aux voix anglaises. Donc maintenant, on va se quitter sur cette magnifique image. Avec plein de robots faits par les humains, voilà. Mais les humains, ils ont copié sur Dr. Eggman, ça se fait pas. Enfin voilà. Et sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve dans la partie 2 de Sonic Adventure 2 Battle. The Final Battle. Et on va mettre quand même une meilleure vue puisque. Est-ce que je veux mettre une meilleure vue? Voilà, l'eau. Merde. Je veux voir l'eau. Voilà, merde. Vous allez voir les JPEG en 2D. C'est magnifique. Attends, vite, on met en pause. Avant que la caméra se remette normalement. Donc voilà. Une vue magnifique. Hein. Vous ne trouvez pas? Bon, vous me direz aussi si les vidéos sont trop longues. Hein, parce que 56 minutes, c'est pas très court. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, pour une deuxième fois, avec Oliver Plasma.